Les temps durs créent les hommes forts créent le bon temps crée des hommes faibles créent les temps durs. Dis-moi, t'es-tu déjà senti perdu, sans but, sans objectif, sans endroit où aller, juste toi, seul, coincé dans le vide qu'est ton existence? Si oui, sache qu'en vérité, tu n'es pas vraiment seul. La majorité des jeunes hommes aujourd'hui déambulent dans l'obscurité sans jamais savoir où aller. Parce que personne ne leur a jamais indiqué le chemin à suivre. Personne ne leur a jamais dit ce que ça voulait dire être un homme. Et s'il y a une chose que je peux te garantir qui ne changera jamais, c'est qu'être un homme, c'est difficile. Mais être un homme perdu, c'est un enfer. Je vais être très direct dans mes propos. Parce que si je n'ouvre pas ma bouche aujourd'hui, il est très probable que personne n'ait le courage de l'ouvrir dans tout le YouTube français. Ce que je vais vous dire aujourd'hui va faire chier beaucoup de monde, car beaucoup de monde préfère rester dans le confort et refuse d'entendre la vérité. Et je sais très bien de quoi je parle, j'ai été une de ces personnes. Toute ma vie a été passée à fuir mes problèmes, fuir mes responsabilités, si bien que j'en ai payé le prix fort. À force de fuir encore et encore et encore, je ne savais même plus où j'étais, je ne savais même plus où j'allais. Et selon moi, il n'y a rien de plus horrible comme situation en tant qu'homme qu'être perdu. Car selon moi, tu as besoin d'un objectif qui te permet d'encadrer ta vie et de choisir le chemin que tu vas parcourir. Il est très probable que beaucoup des jeunes hommes qui vont se sentir concernés par ma vidéo n'ont pas eu de figure paternelle forte pour leur donner des directions à suivre dans la vie. Voyez-vous, ça va paraître un peu masculiniste et toxique ce que je vais vous dire, mais en vérité, si tu prends compte de l'histoire de l'humanité, ça fait tout son sens. Depuis l'aube de l'humanité, pendant des siècles et des siècles, les pères ont servi de modèle et avaient pour objectif de forger les jeunes garçons afin que ces derniers puissent devenir des hommes. Ton père était censé t'apprendre ce qu'était la discipline et ce que ça voulait dire être un homme. Il était censé faire de toi un guerrier, un homme prêt à affronter la vie, un homme ayant toutes les ressources nécessaires afin de survivre seul. Ta mère, elle, avait pour but de te donner la vie, de te maintenir en vie, de te donner de l'amour, de l'attention, pour que jamais tu ne te sentes seul, pour que jamais tu ne te sentes triste. Et chacun de ces deux rôles a une importance cruciale dans le bon développement d'un enfant. Pour t'expliquer, laisse-moi te parler du système carcéral. Savais-tu que dans beaucoup de pays, 80 à 85% des détenus hommes n'avaient pas de figure paternelle? Savais-tu qu'une grosse proportion des adolescents qui décident de se... n'avaient pas de figure paternelle? Savais-tu qu'une grande majorité des hommes qui échouent bien plus que la moyenne n'ont pas de figure paternelle? Et là, ce n'est que quelques exemples, je peux aussi t'en donner pour la mère. Qu'est-ce qui se passe quand ta mère te traite mal ou te ne donne pas assez d'amour en tant que mère? Eh bien, ça crée des psychopathes. Énormément de personnes sur qui on place le label de psychopathe n'ont jamais reçu la bonne quantité d'amour de la part de leur mère ou ont une absence complète de mère. Ce qui prouve que les deux rôles sont véritablement importants et ont des conséquences néfastes si tu commences à les séparer. Si ton père ne t'apprend pas la discipline, il est probable que tu fasses énormément d'erreurs très néfastes pour ta vie. Si ta mère ne t'apprend pas l'amour et les émotions, il est très probable que tu ne saches pas les contrôler. Les deux bossent ensemble et seront toujours complémentaires. Tout ce que je suis en train de vous dire n'est que la logique qui a été prouvée maintes et maintes fois au sein de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, les gens continuent de le nier. Les gens continuent de dire que c'est la faute du patriarcat, que c'est de la masculinité toxique, que c'est de l'oppression envers les femmes. Alors qu'en vérité, les femmes sont tout aussi importantes que les hommes. Personne n'est supérieur à l'autre. Mais bon, tu n'as pas cliqué sur cette vidéo pour avoir un mec en pull rose qui te fait de la philosophie. Non, tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es perdu et que tu as besoin de conseils. Le premier conseil que tu dois entendre, le premier conseil que tout le monde doit entendre et s'enfoncer dans le crâne, c'est un conseil très simple mais qui va te faire mal. Écoute bien, personne ne va venir te sauver. Peu importe à quel point tu y crois, peu importe à quel point tu pries, peu importe tes croyances, peu importe ce que tu feras, personne ne va venir te sortir du trou dans lequel tu t'es enfoncé. Et la seule personne responsable de ta situation et de la situation dans laquelle tu vas te trouver le lendemain, c'est toi. Personne ne va te tenir la main. Personne ne va apparaître pour te sauver. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as envie de sortir de ton trou. Arrête d'attendre qu'une intervention divine se pointe. Il faudrait peut-être que tu apprennes à grimper, que tu fasses l'effort de grimper ce trou et que tu sortes enfin. Rester tous les jours à rêvasser, rêvasser constamment, penser à une vie meilleure qui pourrait apparaître du jour au lendemain. Soudainement tu es beau, soudainement tu as de l'argent, soudainement tu n'as plus de problème, soudainement toutes les femmes sont à tes pieds. Ça n'arrivera jamais. Le seul moyen d'atteindre tes rêves, le seul moyen d'accomplir tes objectifs, c'est de te lancer, de gravir le trou, de sortir de celui-ci et de prendre ta vie en main. Car personne ne va le faire pour toi. C'est ta vie, c'est ta responsabilité. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que fonctionne le monde, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Donc plutôt que d'attendre l'intervention divine, plutôt que d'attendre de découvrir qui tu es, quel est ton but, décide de qui tu es
Décide d'où tu veux aller. Ceux qui passent toute leur vie à chercher qui ils sont finissent souvent par ne rien trouver du tout. Car qui tu es dépend uniquement de ta volonté. C'est à toi de décider qui tu es. Il n'y a pas de réponse inscrite dans un livre. Donc je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'enfermes dans une pièce, sans distraction, absolument rien. Tu fixes un mur, tu fixes un plafond, et tu réfléchis à qui tu as envie d'être. Tu réfléchis à qu'est-ce que tu as envie de faire. Et je te jure que si avec toi tu n'as qu'une feuille et un stylo, et que tu te concentres entièrement sur ces questions, tu trouveras une réponse. Et dès que tu auras déterminé ton identité, déterminé ce que tu veux faire, mis en place tes objectifs à long terme, je veux que tu creuses encore plus la question de ton identité. Et pour ça, il te faudra tenir un journal. Énormément de grandes figures de l'histoire ont tenu des journaux tels que Marc Aurèle ou encore Winston Churchill. Chacun de ces individus a tenu un journal car ça leur permettait de mettre en mots leurs pensées, mettre en mots leurs sentiments et de déterminer où ils voulaient aller. Ce qu'il voulait faire, comment il se sentait. Ne néglige pas cette activité, fais-le le plus souvent possible et tu auras les meilleures idées que tu n'as jamais eues de toute ta vie. Un autre conseil que je peux vous donner à tous, un conseil que personne n'osera jamais vous donner, un conseil que tout le monde évite comme la peste, c'est de prendre des risques. Tu es jeune, tu es plein d'énergie, tu es plein de potentiel et pourtant tu joues sur la défensive. Tu essaies simplement de prendre le chemin le plus safe et tu n'arrives jamais à ta destination car le temps que tu y arrives, tu as 60 ans, 70 ans et tu regrettes ne pas avoir pris l'autre chemin. Toutes les personnes qui sont au sommet aujourd'hui, tu penses véritablement qu'ils ont choisi de prendre le pont qui était parfait ? Non, ils ont pris le chemin plus difficile, plus ardu, plus risqué, et ils ont atteint leur destination via ce chemin. Et tu sais ce qui est beau ? C'est qu'à la fin, lorsqu'ils arrivent à leur destination, ils ne regrettent absolument pas tous les risques qu'ils ont pris, parce que le jeu en valait la chandelle. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as simplement envie de continuer sur le même chemin que 99% des gens ? Le même chemin qui mène exactement à la même destination que toutes les personnes qui l'ont prise avant toi, c'est-à-dire une vie moyenne en tant qu'individu moyen. Quelque part, si tu regardes cette vidéo, c'est ma croyance personnelle que ton esprit n'est pas matrixé. Ton esprit n'est pas juste comme celui de 99% des moutons qui décident simplement de prendre le chemin par défaut parce qu'ils ne réfléchissent jamais, ne prennent jamais de recul et ne cherchent jamais un autre chemin. Ils jouent sur la défensive, mais nous, on veut jouer sur l'offensive. Si là, tout de suite, tu décides de prendre des risques, mais que tu échoues, surtout, ne ressens pas la défaite, car la défaite est un état d'esprit. Tu n'as perdu que si tu as décidé d'avoir perdu. Alors que si tu prends du recul et que tu prends cette défaite comme une leçon qui te permet de rebondir encore plus haut, alors ta défaite n'en était pas une, ta défaite n'était qu'un apprentissage qui t'a permis de rebondir encore plus haut et d'atteindre les sommets. Chaque fois que tu tombes, que tu te casses la gueule, prends ça comme une leçon afin de te relever et de ne plus jamais commettre les mêmes erreurs. Ta jeunesse n'est pas faite simplement pour rester là, à déambuler dans ta vie sans jamais savoir où aller, sans jamais savoir quoi faire, à jouer sur la défensive et à te ruiner le cerveau à coups de dopamine, TikTok, Instagram, pornographie constamment. Tu es censé décider d'où tu veux aller, tu es censé prendre des risques si tu as envie de réussir. Mais là tout de suite, tu préfères rester dans le confort et crois-moi, le confort c'est le tueur de l'homme. Vis dans le confort et tu vas échouer. Vis dans l'inconfort. Prends des risques et tu réussiras. Cependant, si tu te sens déterminé là tout de suite, je veux que tu me promettes une chose. Si à partir d'aujourd'hui, tu décides d'écouter mes mots et de reprendre ta vie en main, alors il te faudra tenir ta parole à 100%. Je ne veux pas juste de gamins qui vont regarder ce genre de vidéos, se sentir motivé pendant 10 minutes, puis retourner scroller sur TikTok pendant des heures. Je veux que tu sois un homme qui tient sa parole, qu'à chaque fois que tu décides sur quelque chose, tu le fais. Tu n'attends pas que les conditions soient parfaitement alignées, tu n'attends pas que tu aies l'énergie ou la motivation, simplement tu as décidé de le faire, donc tu le fais, tu commences à avancer et tu continues d'avancer, peu importe les obstacles, peu importe les personnes que tu vas affronter, peu importe le regard des autres, peu importe le jugement de ces derniers, tu continues d'avancer jusqu'à ce que ton objectif y soit atteint. Donc ne me sors pas d'excuses, arrête de te dire je le ferai le lendemain et je le ferai le lendemain et je le ferai le lendemain, oui ça sera la dernière journée que j'utilise TikTok, oui ça sera le dernier machin, non, si tu décides d'arrêter, arrête complètement, arrête de te dire oui mais une étape à la fois, 1% à la fois, ça ne va mener nulle part. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais ou tu ne le fais pas. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'alternative. Regarde-moi droit dans les yeux, promets que tu vas le faire. Promets que tu vas rester un homme de ta parole. Promets que tu ne vas jamais te mentir. Promets que tu vas arrêter de te trouver des excuses. Car ces excuses sont la raison pour laquelle tu es dans la situation où tu te trouves aujourd'hui. Parce que tu as écouté ton cerveau constamment qui te disait « Non, j'ai la flemme. Non, viens, on le fait demain. Non, on fait pas les efforts aujourd'hui. Viens, on va manger ce burger. Viens, on va regarder cette série. Viens, on va scroller sur TikTok. » Tu l'as écouté toute ta vie. Et c'est pour ça que tu es dans la vie que tu as aujourd'hui.
Tu es responsable de tes choix, alors commence à faire des meilleurs choix. Et en tant qu'encouragement de ma part, n'oublie jamais ceci. Les hommes forts créent le bon temps crée des hommes faibles. Les hommes faibles créent les temps durs créent des hommes forts. Nous sommes dans les temps durs, vous serez les hommes forts. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.